Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous un extrait de Life Trading Room, mais cette fois-ci enregistré par un candidat. Sachant que ce candidat, il vient de rejoindre le groupe Trading Together, ça fait 20 jours. C'était le 4 mai exactement. Et c'est juste pour vous montrer le progrès, bien sûr, c'est grâce à ses efforts aussi qu'il a fait. Il a fait un bon progrès. Vous voyez, c'est le résultat, c'est formidable. Ici, vous voyez le drawdown, il est excellent. Et encore, vous allez voir, il prend des trades. Il a compris bien l'objectif, c'est d'apprendre à lire le carnet de sa façon. Il prend des trades sans être influencé, plus ou moins, de ma lecture. C'est la voix ici, c'est ma voix parce qu'il enregistre la session. Et l'objectif que je répète toujours, c'est d'arriver à lire d'une façon propre au candidat et de prendre des décisions et gérer ses trades de sa manière. C'est ça l'objectif de Trading Together. Je vous laisse avec la vidéo pour voir exactement comment ça déroule de l'autre partie. Je vais sortir le premier contrat, il n'a pas encore exécuté. Vas-y, la manière actuelle de voir le premier contrat, j'insère mon stop, je sors. Il y en a 200 contrats qui sont à Paris, niveau de 77,50. Je sors. Est-ce qu'il va les chercher pour les consommer ou pense qu'il va racheter ses produits, ses avances? Mais faire attention, faire attention. Vous pouvez rester dans l'avance, vas-y, 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 vas-y. Ici, il faut passer 75, on parle. Il est agressif maintenant, mais 75 est un jet, c'est pas mal. C'est pas bon. Pas bon. Voilà, c'est dans la base, ça sera excellent. Voilà, ils ont suivi 200 contrats, le checker. Vas-y. Vas-y, non, et si c'est pas bon, 75 il résiste. Il résiste. Moi, je sors. J'entends, c'est qui casse la 75, je comprends. Mais ici, c'est pas bon, c'est les agressifs en achat maintenant. Les acheteurs ont entré en jeu. Et toujours, il est valable en droite au-dessous des 80. Dès qu'il ne passe pas 80, il est toujours en route. Ici, 75. Toujours, il existe. Ah, c'est pas évident. Les prix, mais c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Donc, je sors. Non, on n'a pas fait sortir. Mon stop, c'était 77. Voilà, excellent, excellent. Voilà, c'était risqué. Ma paye, ma mère, c'est bien, c'est bien. Si je sors. Non, on ne va pas sortir. Voilà, mon stop, c'est 75, 75. Un rejet, pardon, il m'a touché le stop. Il m'a touché mon stop. Mais il s'est rejeté en bas. On attend. Il reprend notre poids. Je vais sortir le contrat. 76. 76, 25 plutôt. J'attends ici la cassure. C'est bon, ça passe. Mais il y a agressif. Il y a agressif ici. Ici, c'est une zone de bataille. 50-50. Voilà, je me prépare. Je serre mon stop. 75, 25, pas plus. Et je me prépare pour partir avant qu'il touche mon stop. Il est toujours en faveur des ventes. Vendeur. Vas-y, vas-y, moi, ça, là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Voyez la transaction, une 74, une 74, 393 contre 533 de l'autre côté. Maintenant, c'est la phrase, ça sera bien. Mais il peut retracer, il peut retracer juste le bouton. C'est la rejection du 76, c'était bien. On va. On va laisser passer. Je l'ai pris immédiatement, sans douter, mais c'est risqué. C'est risqué. Je suis long, je passe. Et encore ici, je le remets. Cette fois-ci, je fais sortir le premier contrat immédiatement. Je serre mon stop. Maintenant, mon stop, c'est 76,50. Je vais perdre deux ticks. C'est pas grave. Et le potentiel, c'est 4 sur le 74. Ça sera excellent. Ce sera pareil. La pas passer à toucher le stop tout de suite. Ici, 76, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a un bon l'agence. 76, excellent. On n'a pas pris.
si Lucas Verde va, ça sera excellent pour la France. 67 millions de crédits. Ouais. Merci. Ouais, on poursuit. Si on avance, il va faire ce qu'il va continuer tout contre dans l'air. Il a besoin toujours d'essayer, n'arrive pas à passer. Excellent. Voilà, il maîtrise les 78, mais c'est risqué. J'attends qu'il fasse mon. Je pense que c'est le premier contre avant de 76. Et je sers mon sort parce que si c'est risqué, c'est pas évident qu'il passe 76 tout de suite. Je sors, je sors. Je sors. Attention 80. Si on passe 80 et force, il va accélérer. Voilà, 80. Voilà, vas-y, 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 vous achetez. On n'a pas pris. Attention, juste un fake, juste un fake, juste un fake. Voilà. On va continuer, on va passer plus sur les 80. Voilà, 82 devient très intéressant. Maintenant, 82, vous vous rappelez le 82? On va passer le 82, je pense. C'est le sort du doigt sorti du jardin. Attention, si on passe par le 82, c'est pas lancé. On peut même le relancer si on passe par le 82. Passe maintenant le 82 en bas, on peut le relancer en bas. Vous n'allez pas passer le 82 vers le haut. Voilà, moi j'ai été au niveau du 81 et j'attends la cassette du 80. Je fais sortir le premier contrat avant le 80, bien sûr, bien évidemment. Hein, et j'attends. Si le casse, ça sera excellent. Si le casse pas, je sors avec des gains, des petits cacahuètes, c'est pas bon. Et j'ai pensé à l'accélération si le casse au 80. C'est ça ce que je cherche. Si on passe au 82, ça devient vers l'achat. Et tu vois avec les 180. Attention, attention, il peut faire du simple. C'est parce qu'il a trop mal pour renverser la position. Voilà. Moi, j'ai acheté 82,25. J'attends la cassure. Donc, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, je vais sortir le premier contrat. Vas-y. Non, 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 c'est pas bon, je sors. 80, 80, attention, 80, ce sera illégal pour la lutte. 82, c'est pour l'achat. Si même s'il passe par ses 82 vers l'achat vers l'euro, ce sera bien pour l'achat. Et il ne passe pas. Il ne passe pas, évidemment. On va accélérer. On va laisser un gain pour accélérer vers l'euro. Là, on se prépare. On va acheter ici, faire la réjection. Et j'attends la cassure. Donc, l'accélération vers l'euro. Sinon, je sors. Tout de suite. Dès qu'il ne s'il n'arrive pas, dès qu'il passe au dessous du 82, c'est pas bon. Le 82 maintenant, c'est devenu bon, mais avec prudence. Je n'ai pas passé les roues dessus, il est dessus, il s'est acharné. Il a acharné, il a gassé, il a gassé, il va accélérer, vas-y. Oui, vous pouvez passer, j'ai passé mon rapidement. Je dois mettre le niveau bien clair. Et on va passer. Donc, on va passer le dessous du 82. Si on passe le 22, c'est bon. Lâcher. Si on prend le train, on passe le 25. On va mettre le 85 aussi. Et on a le 28 en haut. Le 90, 25. C'est toujours, il y a toujours des barrières. Ici, c'est une réjection rentre, je sors tout de suite. Je sors mon sport à la 23, et j'avance, il casse un peu comme 25, parce qu'il va accélérer. Vas-y, je suis encore dans le crête. Mon sport peut avancer à la 24. Eh bien, vas-y, 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 continue. 48, c'est pas bon. Il a rejeté, et je me prépare à repartir. Si une réjection 3, s'il continue, ça sera bien. Il a pensé quand même 10, 25. Aussi, ici, je sors. Je voulais renverser la position, ma patrie, c'est risqué parce que je vais accélérer mon bord, parce que là, le 90-25, en gros, 90-50,
qu'est-ce qu'ils font, machin, quand vous n'arrivez pas à passer quand vous venez 5 ans pas, et puis essayez de passer quand même la voie de l'exception. Le dernier code de réjection. Et on va essayer de machin, vous voyez? Si. J'attends la casse sur les 98, 25, l'accélération pour casser quand même 10 aussi. Sinon, ça sera pour la route. Voilà. Moi, j'ai fait un compte ici, 86. Il a passé 85, c'est bien. Je fais sortir le premier contrat. D'accord, voilà, il a pris le premier contrat. On se comprend, il est bien protégé là-bas. On se comprend, c'est 87, 26. Non, s'il passe 86, on ne pas dans la place. Le flatté, donc, il peut continuer en bas. Mais j'ai flatté parce que je sais qu'il y a un autre niveau qui peut rotisser ce 25 ans. J'ai fait bien, j'ai bien fait de sortir. C'est pour ça, je pense qu'il faut se préparer à tous les scénarios. Donc, il faut au mieux en laisser. Tu vois, pas trop d'espérance, il faut bien en casser. C'est pas trop tout de suite. Si vous êtes dans la chaîne, vous pouvez rester. Parce qu'il va décider de passer même le 90 pour faire un petit fait. Le système de réjection. J'ai encore un essai pour l'achat. Voilà, j'ai pris en vente 88,25. Et tu vois, avec j'ai fait sortir le premier contrat, mon score majeur est positif, c'est au 89. Mais ici, je préfère en caisse. Donc, moi, ici, c'est pas le 86 avec toi, je vais en caisse. Je suis là tout de suite. Mais je n'ai pas encore flatté, il n'a pas le 86, c'est bon. Il a encore le 85 maintenant. Vas-y, fais-le. Si on revient à mon score, ça sera 87,25, pas plus. Je ne pas, c'est les positifs toujours. Et même, je préfère flatter. Parce que je n'ai pas aimé l'action, on n'a pas bien accéléré vers le bas. Et il peut faire retester le 95. Bon. 85, il a passé. Il n'a pas accéléré. Il est fort ici. Rejeté vers le haut. Maintenant, il s'est rejeté vers le bas. Donc, je l'ai pris en achat tout de suite sans hésiter, mais c'est risqué. 183,50. Pas plus. Pas touché sport. J'étais sorti le premier contrat. Maintenant, mon sport, il est bien payé. Et j'attends. 140 contrats qui ont été exécutés. Si vous voulez 85-25, c'est bien. Donc, mon score maintenant 84, il est positif. J'attends l'accélération pour passer. C'est pas le 88, ça va accélérer. Vas-y. Maintenant, au-dessous du 85, ça sera pas bon. J'attends la cassière vers le haut. Vas-y. Accélère. Les acheteurs sont là, ils sont forts. Non, j'ai pas aimé la réponse des vendeurs. Ici, l'absorption dans deux sens, voilà 86. Maintenant, je pense mon score 84, c'est 75. Vas-y, bien l'absorption des 86. Dans deux sens, bien, on projette 86. Vas-y, passe 75. Parce que ici, l'absorption, très bien, vous voyez l'absorption. Bien, et moi, je sors aussi, je renverse la position, c'est au cas où. Après, on rentre, switch. Bon, ici, non, c'est pas bon, mon score, c'est 80. 8,50, c'est chaud, hein, c'est chaud. Vas-y. Non, ici, c'est pas bon, j'ai pas aimé, il n'a pas accéléré. Voilà, je sais, mon score est positif maintenant, 87,75. Mais il faut accélérer pour passer 86. Pour appeler 86, qui n'a rien maintenant. Voilà, c'est ça le training. Allez, tout. C'est la force, c'est donc. Vas-y. Bon, chacun, c'est tout clair, c'est tout flagrant, c'est tout. Il a passé 85, je suis content, il a passé 86. Déjà, c'est pas mal, donc j'ai déjà mon score, c'est 86. Et j'attends l'accélération vers le bas, s'il passe maintenant vers 23. Non, ici, c'est pas bon. Ici, mon score, il doit pas toucher mon score. Et on va casser le 82. On va appeler le 82 maintenant. On va passer le 80. Bon, je vois. C'est bon, c'est les niveaux sont clairs. Voilà, 82. Qu'est-ce qu'il a fait pour 82? Allez, vas-y, 82 maintenant.
On peut même revenir le voir, je ne veux pas exagérer, sinon c'est un rebond.